Tiens, les voilà. Ils vous attendent là-bas, inspecteur. Merci. C'est bien vous qui avez découvert le cadavre. Est-ce que vous avez bougé le corps? J'ai simplement soulevé sa tête pour voir s'il était encore en vie. Et elle était morte. Alors je me suis dit, en fait, j'ai dit à mon collègue qu'elle n'était pas arrivée là en tombant d'un train. Les portes sont verrouillées pendant le trajet. Ça, c'est certain qu'elle n'est pas tombée d'un train, il n'y a aucune trace. C'est évident que quelqu'un l'a déposée là pour se débarrasser du corps. Qu'est-ce que tu fais ici? J'étais au bureau. Et par hasard, j'ai entendu que vous partiez. Alors j'ai pensé que je pourrais me rendre utile. Je n'ai pas autre chose à faire. Mais je ne sais pas du tout où tu veux en venir. Je n'ai absolument pas besoin de toi. Oh, je ne vais pas te déranger, je t'en prie, Stéphane. Il s'agit de quoi? D'un accident? Un meurtre? Bah, le corps a été déposé ici. Elle est blessée où? À la tente. Ici, la nuit, il n'y a rien de plus facile que Richard, de transporter. Écoute, tu n'as pas l'air de comprendre. Ce n'est pas toi qui es sur le coup. Stéphane, bon sang, c'est pas à toi que je vais apprendre que je suis un bon policier. Je sais, c'est pas la question. Je sais aussi que tu es un alcoolique. Je suis désolé de te parler crûment. Tu oublies que tu as été mis en congé. Oui, mais... laisse-moi au moins regarder. Juste regarder, j'ai besoin de faire quelque chose. Tu as besoin de faire quelque chose. Entendu. Seulement, tu restes à l'écart. Qu'est-ce que Zaidel vient faire ici? Berger, on te laisse terminer ça. Viens, Harry. Alors, vous arrivez pour longtemps? Pour une bonne demi-heure encore. J'ai téléphoné et je reviens. D'accord. C'est à cet endroit qu'elle était. À hauteur de l'aiguillage 122. D'accord. Ils vont nous rappeler. Qu'est-ce que vous désirez? Je suis avec des collègues. Il est avec nous, merci. Richard, je ne voudrais pas avoir à te le redire à tout bout de champ, mais je te le répète encore une fois, reste en dehors de cette affaire. Stéphane, je pense que c'était des amateurs. Des amateurs? Oui. Qu'est-ce que tu entends par là? Qu'ils ont voulu faire croire à un accident, une chute d'un train. C'est matériellement irréel. C'est pourquoi je dis que ce sont des amateurs. Je suppose que tu dis ça à cause du système de verrouillage automatique des portes. Et c'est tout ce que tu as trouvé? Ils n'ont eu aucun scrupule. Inspecteur Klein? Oui, c'est noté. Ça y est, une jeune fille a été portée disparue. Et la description correspond. Qu'est-ce que tu as voulu me faire comprendre en me disant qu'ils n'ont eu aucun scrupule? Elle était allongée là, comme une poupée. Avec près d'elle des gens qui buvaient du thé en se plaignant qu'il faisait froid. Ouais, donc ça... ça m'intéresserait de savoir qui elle était, son histoire, avec si possible des détails. Richard, je te le répète une dernière fois, reste en dehors de cette affaire. Je veux savoir pour qui je gaspille ma compassion. On lui a retiré sa plaque? Non, pas encore. Au mieux, il sera muté dans un autre service ou alors mis à la retraite anticipée. Depuis quand est-il alcoolique? Depuis que sa femme l'a quitté. En fait... je ne sais pas si elle est partie parce qu'il buvait ou si c'est lui qui s'est mis à boire parce qu'elle l'a quitté. Il y a peut-être un peu des deux. Je ne le juge pas. Je crois que chacun a sa façon de réagir face à des événements, mais ça me fait de la peine de le voir ainsi.
Je peux vous aider, messieurs. Vous cherchez quelqu'un? Nous venons voir Madame Bechler. Oui, c'est moi. Vous êtes de la police, c'est ça? Vous venez pour la déclaration de disparition que j'ai faite? Oui, c'est exactement ça. Alors j'espère au moins que vous venez m'annoncer une bonne nouvelle. Connaissez-vous cette personne? Où est-elle allongée? Ça ressemble à des rails? Oui. Vous la reconnaissez? Est-ce qu'elle est morte? Oui. Il ne s'en remettra jamais. Qui est sur cette photo? Et qui ne s'en remettra jamais? C'est ma locataire, Doris Stein. C'est elle dont j'ai déclaré la disparition. Son ami est là-haut. Il est dans la chambre de Doris. Il l'attend depuis ce matin. Bien. Nous allons entrer, si vous le permettez. Laissez-moi vous aider. Oh, merci. Entrez en silence. Ne faites pas de bruit, surtout. Silence. Parce qu'il espère qu'elle va arriver. Allons d'abord dans la cuisine. Nous pourrons discuter un peu plus librement. Pourrais-je revoir la photo? Elle a été assassinée. Comment? Elle a reçu un coup sur la tête. Oh, quelle horreur. Vous nous avez dit que son ami l'attendait dans sa chambre. Qui est-ce? Il s'appelle Ulrich. Ulrich Lohse. C'est un étudiant. Il habite ici, lui aussi? Ah non, non, il vit ailleurs, mais... Il lui téléphone tous les matins, et ce matin... Je lui ai dit que... Doris n'était pas rentrée de la nuit. Et savez-vous où elle est allée hier soir? Le soir, elle travaille dans un bar comme serveuse. Généralement, jusqu'à 1h30 du matin. D'habitude, il va la chercher, mais lorsqu'il ne peut pas y aller, il lui téléphone le lendemain pour savoir si elle est bien rentrée. Et ce matin aussi, il a téléphoné? Oui. Et lorsque je lui ai dit qu'elle n'était pas rentrée de la nuit, que son lit n'était pas défait... Et il m'a dit qu'il arrivait tout de suite et depuis, il attend son retour. Il a passé un tas de coups de téléphone, mais personne ne savait rien. Alors je lui ai dit que le mieux était d'aller faire une déclaration de disparition à la police. Oui, c'est moi qui ai eu l'idée. Il va devenir fou quand il apprendra cette tragédie. Nous ne pouvons pas faire autrement que de lui dire. Monsieur Lohse? Monsieur Lohse, la police est là. La police? Pourquoi la police? Qu'est-ce que vous voulez? Vous apprendre une triste nouvelle. Quelle nouvelle? Doris Stein a été retrouvée morte dans l'enceinte de la gare de Marseille. Elle a été assassinée. C'est vrai. Ils m'ont montré une photo. Une photo? Mais c'est pas elle. Qu'est-ce que c'est que cette photo? C'est une erreur. Qu'est-ce que vous essayez de me faire croire en me montrant ça? Je connais très bien le visage de Doris. Ah, attendez. Tenez. Regardez, c'est elle. Elle ne ressemble pas du tout à ça. Je vais me remettre à la fenêtre et attendre qu'elle rentre à la maison. Elle a un petit peu de retard, mais elle va pas tarder, j'en suis sûr. Désolé, vous vous êtes déplacé pour rien.
C'est pas le travail qui manque, est-ce que je vois? Non. Vous avez du nouveau sur la morte de la garde de marchandises? Oui, nous avons appris qui était cette jeune fille. Elle travaillait comme serveuse. Et Derek, où est-il? Il est occupé sur son lieu de travail. C'est logique. Vous connaissez mon histoire? Votre histoire? Que je suis alcoolique, mis au repos pour le moment. Ben oui, j'en ai entendu parler. Et qu'est-ce que je fais? Du porte-à-porte. Et j'embête mes copains pendant le travail. Elle était là, comme tous les soirs. Elle est servie jusqu'à 1h30. Les derniers clients sont toujours très longs à s'en aller. Parfois, on est même obligé de les jeter dehors. Cette nuit-là, il faisait un temps de cochon, à moitié pluie, à moitié neige. Quand avez-vous vu Doris Stein pour la dernière fois? Je crois qu'elle est restée jusqu'à la fermeture. Elle a dû appeler un taxi pour rentrer. Mmh. À première vue, vous n'en êtes pas sûr. Vous savez, Doris a un ami, un très bon ami, qui vient la chercher presque chaque soir. Il s'assoit au bar, on papote tous les deux jusqu'à ce que Doris soit prête. Ensuite, ils partent. Lorsque son ami ne peut pas venir, Doris appelle un taxi. Hier, je n'ai pas vu le garçon, j'en déduis donc qu'elle a dû appeler un taxi. Et vous avez autre chose à dire? Oui. Doris et son ami formaient un très joli couple. Dans la mesure où ils se retrouvent tout seuls à cause de cette tragédie, je voudrais bien savoir comment va ce jeune garçon. Et moi, je voudrais parler à votre patron. Allô, patron. Il y a deux messieurs de la police qui voudraient vous parler. Quelque chose d'horrible est arrivé. Doris est morte. Et oui, elle a été assassinée. Où l'avez-vous trouvée? À la gare de marchandises. Ils ont retrouvé son corps à la gare de marchandises. Quand? Vers 11h ce matin. Ce matin, vers 11h. Il va vous recevoir. Il n'arrive pas à croire que Doris soit morte. Au premier étage. Le patron, les deux policiers arrivent. Je vous en prie, messieurs. Pas par là, s'il vous plaît. Hélène! Doris Stein assassinée, ça je peux pas y croire. Doris Stein a reçu un coup à la tête. Quelle horreur, un coup à la tête. Je vous en prie, entrez par là. Hélène! Hélène! Pourquoi tu viens pas? Il faut que tu sois là, toi aussi. Ta présence est nécessaire. Je veux pas y aller. Je ne peux pas. Tu crois que pour moi, c'est facile? Eh bien, pas du tout. Alors viens, s'il te plaît. Bonjour. Bonjour, madame. Bonjour. Hélène, ces deux messieurs sont de la police, ma femme. Je vous en prie, monsieur, asseyez-vous. Je viens d'apprendre à ma femme ce qui s'est passé. Et elle est tout aussi bouleversée que moi. Vous avez retrouvé son corps à la gare de marchandises, n'est-ce pas, c'est ça? Oui, elle était allongée sur les rails. Elle a une blessure assez importante à la tempe droite. La cause réelle du décès ne sera fournie qu'après l'autopsie. L'autopsie. J'en ai des sueurs froides, rien que d'y songer. C'est incroyable. Une jeune fille si pleine de vie, si charmante. Et le meurtrier... Hier soir, elle a travaillé chez vous comme tous les soirs. Oui, oui, jusqu'à la fermeture. Si je me souviens bien, nous avons fermé vers les... une heure et demie.
Vous savez qu'elle avait un petit ami? Oui, nous le savons. Vous lui avez déjà parlé? Nous lui avons déjà parlé. Le pauvre garçon doit être complètement abattu. Il adorerait... Il a du mal à réaliser. Ah. Oui, en général, il... Il venait la chercher pour la raccompagner chez elle. Pas systématiquement, mais très, très souvent. Et quand il ne venait pas la chercher, elle prenait un taxi. C'est ce qu'elle faisait, oui. Hier, en tout cas, j'en suis sûr, parce qu'il n'est pas venu la chercher. Alors, Doris a dû prendre un taxi. A priori, vous n'en êtes pas certain. Non, enfin, c'est-à-dire que... Quel temps faisait-il déjà cette nuit, hein? Il faisait froid et il a neigé. Ah, oui, c'est ça, oui. Ben, alors, il y a des chances pour qu'elle ait pris un taxi, alors. Cela dit, je ne pense pas qu'elle en ait trouvé un juste en sortant d'ici. Elle a dû aller jusqu'au métro. Il n'est pas très loin, mais elle aimait pas le prendre. On peut donc penser qu'il est possible qu'elle soit partie à pied d'ici la nuit dernière. Admettons qu'elle n'ait pas trouvé de taxi et qu'elle soit partie à pied sous la pluie et la neige. On perd sa trace en plein milieu de la nuit. Oui, il est aussi admissible que quelqu'un attaque une jeune femme dans la rue, la tue, seulement il n'emporterait pas son cadavre à la gare de marchandises. Il laisserait le corps là où il est tombé, là où il l'a tué, et il ficherait le camp. Salut! Qu'est-ce que tu fais ici? Que devrais-je faire chez moi? Attendre? Attendre quoi? Que ma femme revienne. Personne ne m'empêchera de travailler. Tu as encore bu? Oui, j'ai bu. Mais je suis en repos. Et Berger m'a dit que vous aviez identifié la jeune fille. Ce brave Berger, c'est toi qui lui as demandé. Elle avait un ami, un étudiant, n'est-ce pas? J'ai été à l'université. Ils m'ont renseigné sur ce garçon. Stéphane, je sais ce que tu vas dire. Tu vas dire, Richard, tu m'enquiquines, tu ne t'occupes pas de mon affaire, mais je n'ai pas travaillé contre toi. Est-ce que tu n'aurais pas été à l'université? Bien sûr que si. Alors accorde-moi le plaisir de te raconter ce que j'y ai appris. Je t'écoute. Alors ce garçon... Assieds-toi. Alors ce garçon est d'une intelligence supérieure. Seulement... déséquilibré. Il se cache derrière un miroir, tu vois? Il est ici et... Et là, il y a le miroir, et là, la vie. Tout ce qu'il vient de nous dire, c'est du grec. Qu'est-ce que tu as appris sur ses relations avec cette Doris Stein? Le grand amour des inséparables. Elle le finançait. Elle subvenait à ses besoins. C'est pour ça qu'elle faisait la serveuse. Elle payait ses études. C'était sa manière... de préparer l'avenir du couple. Trop beau pour être vrai. Tous disent que maintenant qu'il est seul, il risque de craquer. Il n'y en a pas un qui ne pense pas que cet amour le brise. Et qu'il sombre dans l'alcool. N'est-ce pas positif? Ce serait chouette que tu dises oui. Tu sais... J'ai besoin qu'on me dise oui de temps en temps. Excusez-moi. Dis-moi, je le croyais en repos. Et qu'est-ce qu'il fait? Il met son nez dans les affaires des autres. Ça m'énerve. C'était un des meilleurs dans le temps. Richard, où vas-tu? À la cantine. Boire. Je peux pas faire autrement. Je t'accompagne. Je sais. Je sais que c'est pas la solution idéale. Tu as dit que ta femme ne reviendrait plus. T'es venu pour me parler de ça. Tu as dit que ta femme t'avait quitté. Je peux savoir pourquoi? J'en sais rien. Je n'en ai aucune idée. C'est vrai, j'en sais rien. Elle a bouclé ses valises. Elle m'a rendu ses clés.
Elle est sortie. Tu comprends? Elle a quitté l'appartement comme on quitte une chambre d'hôtel. Et ça, j'en crève. Tu m'as pas demandé ça sans raison. Ce jeune garçon a perdu son ami. Il est seul depuis ce matin. Elle lui a également, mais de manière psychologique, rendu son trousseau de clés. Et nous savons que c'est une situation qu'il ne supportera pas. Occupe-toi de ce garçon. Ça m'aidera. Et ça t'aidera peut-être aussi. Alors, ça a été? Moi, je n'ai bu que de l'eau. Je viens de recevoir le plan de la gare de marchandises. La question qui se pose à nous est, comment le corps est-il arrivé au milieu des voies? Ça peut être par la route, ou carrément de la gare même. Pas mal d'expéditeurs ont des bureaux ici et des entrepôts. Stéphane, tu as écouté ce que j'ai dit? Harry, tu sais que j'écoute toujours. Seulement, j'aimerais savoir où est le jeune homme. Non, non, il est sorti. Il est parti chercher ses affaires, il veut s'installer ici. Oui, il veut être dans la chambre de Doris. Je lui ai demandé s'il avait bien réfléchi à ce qu'il faisait. J'ai eu l'impression qu'il ne comprenait pas ce que je disais. Il vient de rentrer. L'inspecteur principal est à l'appareil. Vous voulez lui parler? Allô? Monsieur Lawes? Dites-moi... Avez-vous trouvé quelque chose sur les meurtriers? Non, hélas, rien encore. Mais j'aimerais vous poser une question. Se peut-il que le meurtrier soit un client de l'établissement où travaillait Doris? Je veux dire, y avait-il des relations, quelles qu'elles soient, entre des clients et Doris? Je vous en avais peut-être parlé. Est-ce que vous avez compris ma question? Oui, j'ai compris. Bien sûr qu'il y avait des relations avec des clients. Des relations de serveuse à bon client. Et autre chose aussi. Vous n'êtes pas allé la chercher hier, je peux savoir pourquoi? Je vais à un séminaire à préparer. Elle le savait et elle avait dit qu'elle prendrait un taxi. Oui, mais hier, avec ce sale temps, elle n'a pas dû trouver de taxi. Est-il possible qu'un client qui la connaissait, qui savait qu'elle allait rentrer chez elle à pied, lui ait proposé de la ramener dans sa voiture? Est-ce que vous m'avez entendu? Oui, inspecteur. A-t-elle déjà été raccompagnée chez elle par un client? Oui. Vous souvenez-vous de ce client? Vous vous souvenez de son nom, peut-être? Est-ce que vous pourriez me le donner? Avec ce temps, il n'y avait pas un taxi de libre. Allez-y, sauvez-vous. J'avais oublié mon manteau. Merci, Ulrich. Merci. Il mérite un bisou aussi. Vous avez une amie charmante, mon garçon. Oui, je me souviens d'un nom, inspecteur. Il l'a ramené plusieurs fois à la maison. C'est un client. Un certain Schoenbeck, c'est un très bon client. Monsieur Lawes, vous êtes toujours là? Allô, il est reparti. Il est allé dans sa chambre. Il est dans la chambre de Doris. Il s'est installé là-bas. Dis-moi, j'ai pensé à quelque chose. Il t'a demandé... Avez-vous trouvé quelque chose sur les meurtriers? Il a dit les meurtriers. Mmh.
Monsieur Lowe's. Monsieur Lowe's, il y a quelqu'un pour vous. Un inspecteur de la police criminelle qui veut vous parler. Oh, attendez. Je vais ramasser le... Non, non, laissez, c'est pas grave, je le ferai. C'était sa guitare. Elle en jouait. Oui. Oui, j'aime beaucoup écouter quelqu'un jouer de la musique. Ma femme était une excellente pianiste. Quand ses mains dansaient sur le clavier, j'étais comme envoûté. J'ai perdu ma femme. J'ai plus de musique. Vous êtes inspecteur de police? Oui. Je suis policier. Mais c'est mon collègue que vous avez déjà rencontré qui s'occupe de l'affaire. Je peux jeter un coup d'œil? Je ne vais rien déranger. Je veux juste regarder les photos, si je peux. On est heureux. Et tout d'un coup, la vie s'arrête. Ou du moins, ce n'est plus comme avant. Parce qu'on a perdu un être cher. Moi aussi, j'ai connu ça. Vous n'auriez pas quelque chose de fort? Non. Ça ne fait rien. Non, c'est faux. En réalité, c'est tout. C'est le plus important. Voyez-vous, j'ai besoin de ça. Sinon, je sombre. Je croyais qu'elle était serveuse. Elle tapait aussi à la machine. Elle passait des heures à taper mes notes. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu t'es arrêté? Parce que ce que tu écris me plaît beaucoup. Mais le véritable combat pour les parts de marché se livre dans les laboratoires. Tu as un don incomparable pour rendre accessible à tous des sujets difficiles et de les faire comprendre. Tout le monde n'a pas ce don, tu sais. Et crois-moi, ce n'est pas donné à tous. Tu l'as, toi. J'ai besoin d'une autre machine. Un traitement de texte. Demain, je vais aller en acheter un. Elle a tout retranscrit, tout corrigé. Je m'endormais ici. Quand je me réveillais, elle était toujours devant sa machine. Des fois, elle s'endormait dessus. Faut que tu ailles jusqu'au doctorat. Est-ce que vous avez un pistolet? Non, je ne l'ai plus. Pourquoi? Parce que je vais tous les tuer. Madame Soske, l'inspecteur principal d'Eric voudrait vous parler. Bonsoir, Madame Soske.
J'ai une petite question pour vous et votre mari. Y aurait-il dans votre clientèle un homme qui s'appellerait Schoenbeck, par hasard? Schoenbeck? Oui, un de vos clients. Il aurait raccompagné Dori Stein plusieurs fois chez elle. J'aimerais lui parler. Je suis désolé, inspecteur. Ce nom ne me dit rien du tout. Pourrais-je parler à votre mari? Mon mari est en salle. Le bar est déjà ouvert. Je vais voir si je peux le joindre. Patron, l'appartement, votre femme. Excusez-moi. Hélène, qu'est-ce qui se passe? J'ai l'inspecteur Derrick au téléphone. Il me demande si je connais Schoenbeck. J'ai répondu que non. Il veut te parler maintenant. Schoenbeck? Comment est-il arrivé à lui? Il sait qu'il a raccompagné Doris plusieurs fois. Ah, et qu'est-ce qu'il lui veut? Lui parler, sûrement. Pourquoi? Non, je veux dire, de quoi? De quoi est-ce qu'il veut lui parler? Je n'ai qu'à lui poser la question. Si tu veux, je... Non. Non, en aucun cas. Et Hélène, s'il te demande où je suis, surtout dis-lui que tu ne le sais pas. Entendu. Désolé, mais mon mari s'est absenté, il est introuvable. Ça ne fait rien, madame Soske. Mais quand vous le verrez, dites-lui que nous passerons ce soir. Ah, excusez-moi. Vous ne connaissez aucun client qui s'appelle Schoenbeck, c'est sûr? Sûr. Je vous remercie. Ah, c'est sec le ton de madame Soske. Qui lui a donné ce nom? Comment est-ce qu'il l'a appris? Aucune idée. Qu'est-ce qu'on peut faire? On revient à Schoenbeck ou quoi? Je ne pense pas que ce soit le moment. Ah, et pourtant, vous allez le faire. Dites-lui de venir ici au plus vite. Bonsoir, messieurs, par ici. Pourquoi est-ce à moi que la police a téléphoné? Et pourquoi n'as-tu pas voulu lui parler? Hein? Simplement parce que je ne sais pas quoi lui dire. Et toi, qu'est-ce que tu lui as dit? Je lui ai dit simplement que le nom de Schoenbeck ne me disait rien. Ce que toi, tu ne peux pas dire. Cela ferait désordre de ne pas connaître ses clients. Alfred! Alfred, vous allez m'appeler l'étudiant, le jeune Ulrich. Je viens de le faire, il n'est pas chez lui. Tiens. Ce n'est pas chez lui, vous appelez qui, là? La logeuse de Doris. Oui, il est là, mais... on ne peut pas lui parler. Il est... allongé dans sa chambre, par terre. Par terre? Oui, il est par terre. Il reste allongé là, en pleurant. Je ne sais pas comment je peux l'aider. Il est complètement déboussolé. Passez-moi l'appareil. Madame Beckler, ici Monsieur Soske. Nous avons... Ulrich est chez vous? Dites-moi, à votre connaissance, la police a-t-elle déjà reçu son témoignage? Quelle question! Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse comme témoignage? Non, je ne sais pas, c'était juste une question. Oui, oui. Entendu. Au revoir, madame. Une chose est certaine, il n'a pas fait de témoignage. Sinon, la vieille le saurait. C'était Doris au téléphone? Je dois aller la chercher? Elle prend un taxi? Ulrich, Doris est morte. Non. Non. Merci, Ina.
Tu as entendu que ce soir, la police doit passer? J'ai appris ça, oui. Ouais. C'est pas tous les jours qu'on rigole. Ça nous fera un peu d'animation. Il y a fort à parier. Dis-moi, tu as des nouvelles du gosse? Personne n'a encore réussi à savoir où il était. Tu devrais essayer de le joindre. Je sais pas comment je pourrais l'aider. Le consoler? Personne ne peut le consoler. C'est comme si... C'est comme si le piano était fermé. Et que ce soit le silence. Oui, le silence. La musique s'est tue. Et ce geste-là, il ne le fera pas. Le patron, la police est là. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Je vous ai vu entrer, j'ai fait chercher le patron. Qu'est-ce que je sais? Tu restes là, arrivé, tu m'attends. Ça fait longtemps que tu es là. C'est chouette ici. Je ne connaissais pas. Tu sais, j'adore ce genre d'atmosphère. Tu as des renseignements? Le gosse est au bout du rouleau. Crois-moi, je m'y connais en déchéance humaine. Cela dit, concernant ton affaire, j'ai écouté par-ci, par-là, ce qui se disait. Doris est sortie pour attendre un taxi. Puis, elle a disparu. Alors, ou bien elle est montée dans un taxi, ou elle est partie à pied. En tout cas, elle n'a rencontré aucun client. Qui a dit cela? Le vieux pianiste. Ce sont de grands observateurs. Un bon pianiste ne regarde pas les touches. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit ce que je viens de te dire. La petite est sortie, elle a attendu un taxi dehors. Et... soit elle en a eu un, soit elle est partie. Et il est sûr que... il est certain qu'aucun client ne l'a embarqué? Oui, il est absolument certain. Et il connaissait bien Doris? Très bien. Le garçon aussi. Attends une minute. Il m'a dit une chose à propos des deux jeunes. L'amour s'est installé chez ces deux jeunes gens et il s'est senti comme chez lui. Oui, je vois que ça te dépasse. Oui, je ne suis pas venu là pour ça. Bien, et maintenant? J'attends un homme qui s'appelle Schönbeck. Tu as entendu prononcer ce nom? Schönbeck. Oui. Oui, c'est un habitué. Il aime la musique douce et laisse des pourboires royaux. Bon, je retourne au bar, j'ai un whisky qui m'attend. Bonsoir. Je m'appelle Schönbeck. Je crois que vous vouliez me parler. Il s'agit de la mort de cette pauvre Doris Stein. Je suis à votre disposition. Où pouvons-nous être tranquilles? Eh bien, dans mon bureau, je vous en prie. Désirez-vous que je vous laisse seul? Non, 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 non. Vous pouvez rester. Bien. Alors, vous avez entendu ce qui s'est passé? La mort de Doris Stein, oui. J'ai appris la nouvelle comme tout le monde ici. Et ça m'a fait de la peine. Plutôt du mal, en fait. Il y a une raison à cela. Je suis un habitué. Je viens presque tous les soirs ici.
Et de ce fait, je connais tout le personnel qui travaille ici, et donc Doris Stein. Aviez-vous des rapports particuliers avec Doris? Non, je n'avais pas de rapport particulier avec Doris. Il m'est arrivé de la raccompagner chez elle en voiture, parce qu'il n'y avait pas de taxi, ou bien quand son ami ne pouvait pas venir. Vous connaissez son ami? Vous lui avez déjà sûrement parlé? Oui, nous lui avons déjà parlé. Je peux vous demander comment il va? J'ai peur qu'il ne surmonte pas cette épreuve. Oui, hein, ça peut se comprendre. Les sentiments qui liaient ces deux personnes étaient vraiment d'une force peu commune. Je n'aurais jamais pensé que cela pouvait exister. Ils se ressemblaient beaucoup tous les deux. Et pourtant, ils étaient différents. Il était démesurément sensible. J'irais même jusqu'à dire introverti. Alors qu'elle... comment je pourrais vous dire? Elle avait ce côté pratique très cartésien. Elle avait pris le garçon sous sa coupe et elle ne vivait que pour lui. Et lui ne vivait que par elle, oui. Et maintenant, il... C'est pourquoi je vous demandais de ces nouvelles. Hier soir, vous êtes passé ici? Oui, oui. Comme presque chaque soir. Vous êtes resté combien de temps? Comme toujours, jusqu'à la fermeture. Je présume que vous voulez savoir quand j'ai vu Doris pour la dernière fois. En vie. Exact. À la fin de son service, elle enfilait son manteau au moment de s'en aller et je lui ai dit « Alors Doris, votre amie ne vient pas ce soir ?» Elle m'a dit « Non, pas ce soir. Je rentre en taxi. » Alors je lui ai proposé de la ramener chez elle, ça ne me posait pas de problème. Mais elle a refusé, elle a dit « Je vais rentrer en taxi. » Elle est sortie, puis je ne l'ai plus revue. Quand êtes-vous rentré chez vous? Je suis resté un peu... Monsieur Sosuke est devenu un ami depuis le temps. Et comme il habite au-dessus, nous sommes tous montés. Nous étions quatre dans l'appartement. Madame Sosuke, Monsieur Sosuke, le barman et moi. Je suppose que vous confirmez. Non, mais bien sûr, ça va sans dire. Combien de temps êtes-vous restés ensemble? Une heure, peut-être un peu plus. Vous savez, on discute, on voit pas toujours que les heures tournent. Oui, vous avez raison. Très bien, ce sera tout. Eh bien. Ah, est-ce que vous pourriez demander à quelqu'un d'autre de venir? Oui, j'aimerais voir d'abord votre pianiste. Le pianiste, oui. Messieurs. Eh bien, voilà. Des gens extra sur toute la ligne. Ah. Quelle autre réflexion? Je les trouve tous trop gentils. Et ils devraient être plus agressifs. Alors, Schönbeck, Soske, sa femme et le barman étaient ensemble durant une bonne heure. Une bonne heure. Et peut-être même plus encore. Ça suffit pour transporter un cadavre. Elle était devant la porte et elle regardait dehors. Et elle a dit, il n'y a pas de taxi à la station. Et M. Schönbeck était là? Oui. Il a demandé à Doris si elle voulait qu'il la raccompagne et elle a refusé poliment. Et là, elle est sortie. Et Schönbeck? Il est resté dans la maison. Voyez-vous, M. Schönbeck reste souvent après la fermeture. Il a fini la soirée chez le patron. Merci. Quel était l'air préféré de Doris?
Vous étiez ami avec Doris Stein. Oui. Seulement, elle était amie avec tout le monde. Tout le monde l'aimait. Oui. Si vous deviez la décrire, que pourriez-vous dire d'elle? Elle était... Écoutez, je ne pourrais jamais dire du mal d'elle. Soyez-en sûr. Pourrait-on en dire? Non. Je repense à la soirée d'hier. Elle était devant la porte. Elle est sortie dans la rue. J'ignorais que je ne la reverrais plus. Vous voulez vous retirer? Oui. Alors allez-y. On dirait qu'ils ont tous appris leur leçon. Oui, on a l'impression que quelqu'un leur a dit ce qu'ils devaient répondre, comment se comporter. Oui. Bonne nuit. Regarde ces idoles-là. Ils se comportent en simples clients. Oui, c'est plutôt remarquable. Vous avez du nouveau? Doris Stein était très aimée. Oui. Tous ces gens l'aimaient beaucoup. Et elle les aimait. Oui, j'ai discuté avec tous ces gens. Ils sont vraiment très gentils, prévenants, chaleureux. Est-ce que tu as dit à ces gentils qui tu étais? Oui, oui, et ils ont été très heureux de l'apprendre. Ils m'ont demandé conseil. Écoute... Je ne veux plus que tu te mêles de cette affaire, c'est compris? Tu ne poses plus de questions et tu ne donnes plus de conseils, c'est clair? Pourquoi diable fais-tu tout ça? J'interroge ces gens et qu'est-ce que j'entends? Ton langage. Qu'est-ce qui t'arrive, bon sang? Tu sais bien ce qui m'arrive. Je suis tombé dans un gouffre et je vais en sortir. C'était sa chanson préférée. Il l'a jouée toute la soirée. Tout le monde l'aimait, et elle aimait tout le monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle aimait tout le monde. Vous ne comprendriez pas. Elle aimait tout le monde. Je sais à quoi vous pensez, mais vous vous trompez. Vous pensez au mot prostitution. Et vous n'avez rien compris. Vous faites fausse route. Croyez-moi, ça va bien au-delà. Je vois. Schönbeck et Doris se sont quittés hier soir devant la porte. Il l'a regardé, il lui a dit « sale temps dehors ». Reste encore, monte avec moi. Je te reconduirai plus tard chez toi. Et elle lui a dit oui, d'accord, je vais rester. Hein? Une fois en haut, elle a été assassinée. Et toi, tu n'es pas arrivé à découvrir la vérité. Je ne suis peut-être pas aussi bon que je le croyais. J'ai cru tout le monde. Ils avaient tous vu la fille sortir tranquillement après sa journée de travail. Elle était là, dans la rue. Et elle attendait. Monsieur Schönbeck, s'il vous plaît. Où se trouvait Doris Stein hier soir quand vous l'avez quitté? Là, juste où nous sommes à l'instant. Que lui avez-vous dit? Il ne vient pas ce soir? Ah, elle a dit non, pas ce soir. Il doit travailler sur sa thèse.
Je prends un taxi. Puis vous lui avez demandé de monter. Je suis avec Zoske et on prend un verre. Je te ramènerai plus tard. Bien. Maintenant, nous montons. Mais je vous dis que votre idée est ridicule. Ça ne vous mènera à rien. Mais qu'est-ce que vous cherchez à prouver, hein? Qu'est-ce que vous cherchez? Qu'est-ce qu'il y a? Ces messieurs veulent absolument entrer. Ils croient que Doris était là hier soir. Peut-être pensent-ils que nous sommes, toi et moi, deux meurtriers. Où étiez-vous? Dans quelle pièce exactement? Hein? Où avez-vous reçu votre prétendu bon client? Vous faites erreur. Vous vous trompez totalement. Tout ça est absurde. Vous étiez l'amant de Doris Stein. Vous niez toujours? Il faut que je téléphone. Harry, viens, le numéro de Madame Mettler. Non, non, il est sorti. Il a dit qu'il allait chercher Doris. Il n'a plus toute sa tête. Il ne sait plus ce qu'il fait. Ils sont là-haut, Ulrich. J'ai terminé mon travail plus tôt que prévu. Elle a déjà pris son taxi? Suivez-moi. Allez-y, sonnez. Qui a ouvert la porte hier? Vous l'avez aussi laissé entrer hier? Ulrich, qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu veux? J'ai fini plus tôt que prévu. Est-ce que Doris est partie? Oui, je crois que oui. Elle a pris un taxi, ne t'inquiète pas. Parfait, bonne nuit. Oui, bonne nuit. C'est Doris? Ulrich, non? Doris? You are my destiny. Ulrich! Venu à l'esprit, ces pauvres filles. Pauvres garçons. Nous avons déplacé le corps. Et nous l'avons sorti de la maison. Oui, j'ai un entrepôt pas très loin de la gare. Nous ne savions pas où la cacher. Vous ne saviez pas où la cacher? Ce garçon, vous savez... Nous, on a fait ça en pensant qu'il pouvait s'en sortir. Et toi, tu étais au courant depuis le début? Oui. Il m'a tout dit quand j'étais chez lui. Et j'ai eu envie de l'aider. Il ne savait plus où il en était de son amour. Il va rester chez moi jusqu'au procès. Deux êtres détruits. L'un des deux pourra aider l'autre à s'en sortir.